Hello! La vidéo du jour est un book haul comme vous avez pu le voir dans le titre, donc le book haul du mois de juillet. Ça fait un petit moment que j'avais pas franchement acheté de livres, j'en avais un petit peu envie. Donc au final j'en ai acheté un de France Loisirs, j'en ai eu deux dans la box livresque que je vous ai ouvert il y a pas longtemps. Il y en a même deux de France Loisirs, pardon. Et puis j'ai aussi acheté un petit truc Harry Potter, voilà. Qui n'est pas vraiment un livre, mais je vais vous le présenter quand même. Bref, c'est parti, on commence tout de suite. Je commence par France Loisirs. Donc j'ai acheté la suite de Nos âmes jumelles qui s'appelle Nos âmes rebelles de Samantha Bailey. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez que j'ai beaucoup aimé Nos âmes jumelles, qui parle d'amitié, voilà, entre deux filles qui se découvrent, qui se rencontrent sur Internet, il me semble, et qui vont créer ensemble un blog et un livre ou une BD. Je vous avoue qu'il y a certains passages que je me souviens plus trop, mais je sais que j'avais beaucoup aimé parce que c'est vraiment une lecture que j'ai trouvée parfaite pour l'été. Voilà, pour moi, l'été, ça rime avec romance, amitié, jeunesse, lecture simple, légère, pas prise de tête, comme je vous le dis souvent. Donc ce livre est parfait pour ça et donc je me le réserve pour le challenge des quatre maisons. Voilà. Je pense vraiment qu'il sera lu pendant ce challenge-là parce qu'il est vraiment... c'est un livre assez jeunesse. Je sais pas s'ils disent un nom. Il n'y a pas d'âge, mais c'est écrit plutôt gros. Donc il fait combien de pages? Ouais, ça va. Il fait un peu moins de 300 pages. Mais c'est écrit gros, donc je pense vraiment que celui-là, ça va être une bonne lecture pour le challenge. Et j'ai vraiment hâte, eh bien, de découvrir la suite et donc la fin, puisque c'est qu'une duologie de cette saga. Et donc ensuite, chez France Loisirs, j'ai pris une BD. Donc c'est très rare que je prenne des BD. Mais j'ai un petit peu envie de m'y mettre. En fait, j'aime beaucoup les BD. J'en lisais pas mal quand j'étais au lycée. Voilà, j'empruntais au CDI. Enfin non, je les empruntais pas. En fait, je lisais quand j'avais une heure de perm. Pour moi, c'était toujours CDI. Et donc, je lisais là-bas. Sauf que pour moi, une BD, c'est un petit peu cher pour ce que ça vaut, entre guillemets. Puisque au prix, je trouve qu'on ne passe pas assez de temps sur la lecture pour le prix. Après, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de travail avec toutes les images et tout ça, mais voilà. Je trouve que pour moi, c'est un peu cher pour le temps que j'y passe. Du coup, j'en achète rarement, mais là, j'ai un petit peu envie de m'y mettre quand même. Du coup, j'ai commencé avec Nine, la ligne noire, donc qui est le tome 1 de Darlot et Pilé. Alors, je ne sais pas qui a écrit, qui dessine tout ça. Je suis désolée, je m'y connais pas encore assez. Voilà, en fait j'aime beaucoup le dessin. Pour moi, une BD, le dessin est très important. Et là, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, j'aime beaucoup la couverture, mais à l'intérieur aussi, les planches sont plutôt sympas. Je vais vous montrer un petit peu ici. Voilà, j'aime beaucoup le coup de crayon. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on y va. Chez France Loisirs, en fait, j'aime bien pouvoir prendre des sagas, puisque comme je dois chaque trimestre faire un achat, ça me permet eh bien de savoir un petit peu, d'avoir toujours quelque chose à acheter et pas de me dire mince, bah j'ai plus rien, qu'est-ce qui me ferait vraiment envie? Là, au moins, je sais que bah voilà, j'ai des sagas à terminer et donc je sais quoi prendre par la suite. Voilà, je vous montre encore une petite image. Voilà, j'aime vraiment bien pour l'histoire. Je vais vous lire le résumé parce qu'il n'y a que quatre phrases. On t'a trouvé dans ton couffin sur un quai de la station Saint-Sulpice, pas dans la jungle. Elle change sans arrêt ton histoire, tonton. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Et je ne sais rien du tout de cette BD et je ne veux rien savoir parce que comme je vous le dis, je me répète en fait, juste les images, ça me permet de savoir que ça va sûrement me plaire. Ensuite, je vous remontre rapidement les deux livres que j'ai reçus dans la box. Donc, Young Elite de Marilou, édition, le livre de poche. En fait, je vais vous les présenter parce que dans la box, je vous avais pas expliqué de quoi il s'agissait puisque je ne le savais pas. Depuis le temps, j'ai eu le temps de lire un petit peu au moins le résumé. Donc, pour celui-là, en fait, il y a eu, alors je sais pas, ah oui, une épidémie, voilà.
Donc c'est Adlina qui a survécu à une épidémie, sauf qu'elle l'a survécu, mais ne ressort pas exactement comme elle était à la base, puisque ses cheveux sont passés de noir à argenté et qu'elle a une cicatrice sur le visage. Et donc son père pense que c'est une maudite, entre guillemets, qu'elle ne pourra jamais être mariée. Sauf qu'apparemment, il y a plus que des cicatrices, il y a aussi un super pouvoir qui arrive. Voilà. Je vois pas trop où ça va nous mener, ce que ça va pouvoir nous dire cette histoire, mais j'ai déjà lu du Marilou et j'ai beaucoup aimé. Donc je suis tout de même impatiente de me plonger là-dedans. Comme je vous le disais, ce sera pas pour tout de suite, voilà. Je pense que ce sera peut-être plus pour l'hiver ou peut-être même février, mars, on verra. En tout cas, pas pour tout de suite, mais je suis quand même impatiente de le lire. Enfin, en tout cas, il m'intéresse et donc voilà, on verra bien. Et donc le deuxième de la box, c'était hier encore, c'était l'été de Julie de Lestrange. Là aussi, le livre en édition, le livre de poche. Celui-là, il s'agit là aussi d'amitié et d'une bande d'amis, tout simplement, voilà, qui va passer par des moments difficiles, des moments plus drôles. Et apparemment, on va les suivre dans leur quotidien, en tout cas. Là, la couverture n'en dit pas beaucoup plus. Enfin, le résumé derrière n'en dit pas beaucoup plus. Mais moi, ça me suffit pour savoir que, voilà, amitié, ça va me suffire pour l'été. Celui-là aussi est dans mon challenge pour l'été, pour les quatre maisons. Je vais y arriver. Et celui-là, ouais, j'espère vraiment, ce sera soit il sera bouclé fin août, voire septembre, soit ce sera pour l'été prochain. Et donc le dernier que je vous présente, c'est donc pas un livre, mais plutôt un petit magazine. Voilà. J'ai craqué pour le Panini. Comment ça s'appelle? Pour le stickers album Panini, voilà, vous savez les réversibles à Animaux Fantastiques et Harry Potter. Donc bien sûr, je me suis réveillée 15 ans après la guerre. Donc je ne trouve pas trop de stickers en magasin puisque c'est déjà passé. Mais je vais essayer de me commander ça sur Amazon et commencer à remplir mon petit magazine. En fait, à la base, je ne voulais pas craquer là-dessus parce que je me suis dit c'est de l'argent mis encore une fois pour ma collection et je me suis dit que je pouvais peut-être m'en passer et acheter d'autres choses plus intéressantes comme des livres ou des objets Harry Potter. Mais voilà, je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, il a atterri dans mon caddie et je l'ai acheté. Je sais pas. Voilà, en tout cas, voilà, j'en avais simplement envie, donc je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Et donc c'est chose faite. Voilà, donc c'est tout pour le book haul du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, un petit pouce pour me faire plaisir et pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter sur les livres que vous avez pu lire ou pas, sur ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Bref, échanger avec moi, c'est ce que j'aime le plus en dehors de faire des vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!